Bonjour à tous, je m'appelle Delphine, je suis interne en dermatologie et aujourd'hui on va traiter d'un topo court mais important qui est celui de l'érythrodermie. On commencera par définir une érythrodermie, ensuite on décrira la présentation clinique, les étiologies, les complications et la prise en charge. L'érythrodermie est définie comme un érythème confluent, généralisé, desquamatif, qui atteint au moins 90% de la surface corporelle et qui est d'évolution prolongée depuis au moins 6 semaines. Donc cette définition, elle est absolument fondamentale. Si vous avez un sujet, un dossier sur l'érythrodermie, il y aura forcément la définition qui ressortira. L'érythrodermie fait partie des urgences dermatologiques qui nécessitent une hospitalisation rapide. Donc, je le rappelle, une érythrodermie, c'est un érythème généralisé, sans intervalle de peau saine, associé à une desquamation et qui évolue depuis au moins 6 semaines. Sur cette photo, là, on a un psoriasis en plaques avec des intervalles de peau saine, donc ça n'atteint pas 90% de la surface corporelle, donc on n'est pas dans la définition d'une érythrodermie. Et encore une fois, il faut que l'érythrodermie évolue depuis au moins 6 semaines. Si vous avez une éruption qui date de 4 jours, le patient a beau être rouge de la tête aux pieds sans intervalle de peau saine, vous ne pouvez pas parler d'érythrodermie pour quelque chose d'aigu. L'érythrodermie se présente donc sous la forme d'un érythème généralisé, inflammatoire, desquamatif, avec une desquamation qui va être plus ou moins fine ou plus ou moins large, on le verra quand on fera les étiologies. L'érythème est plus ou moins prurigineux, là aussi en fonction des étiologies. Il va être plus ou moins violacé, et il est notamment violacé au niveau des zones déclives, des zones qui sont sous pression et moins bien oxygénées. Il va être plus ou moins intense d'un jour à l'autre, et il est d'apparition plus ou moins rapide, mais encore une fois, il est forcément là depuis au moins 6 semaines. Associé à cet érythème, on peut avoir une pachydermie. Donc là, on est sur un processus de recrutement des cellules de l'immunité d'une manière généralisée. La peau est inflammatoire de manière généralisée. Donc l'immunité va envoyer des cellules immunitaires et il va donc y avoir une infiltration cellulaire cutanée. On va également avoir des polyadénopathies superficielles, voire profondes en fonction des étiologies. Donc là aussi, c'est logique. On n'a pas, si vous voulez, une plaie sur un bras qui expliquerait qu'on ait des ganglions au niveau axillaire. Là, on a vraiment une atteinte qui est généralisée au niveau de la peau. Donc tous les ganglions vont être à l'affût, tous les ganglions vont être inflammatoires. On peut également avoir un œdème du visage associé à un ectropion. Donc ça, on va notamment le retrouver dans les lymphomes cutanés. Et on peut également avoir une atteinte des muqueuses avec une kélite, une stomatite ou une conjonctivite. Ça se voit notamment dans les Dress syndromes et ça fait partie des critères de gravité. Les polyadénopathies, les atteintes muqueuses, le retentissement important sur l'état général, tout ça fait partie des critères de gravité des érythrodermies. Si l'érythrodermie est prolongée, il va y avoir une atteinte sur les composants cutanés qui évoluent plus lentement, c'est-à-dire les fanères. Donc si l'érythrodermie se prolonge dans le temps, on va avoir une perte de cheveux, une perte des poils, des cils, des sourcils, et on peut également avoir une dystrophie inguinale avec les lignes de Bow. Donc la ligne de Bow, c'est ce que vous voyez là sur l'image, c'est cette ligne qui est transversale, horizontale, parallèle par rapport à la pousse de l'ongle, et en fait ça traduit tout simplement un ralentissement dans la croissance de l'ongle au niveau matriciel, et comme vous le savez, quand il se passe quelque chose au niveau des ongles, c'est très long pour guérir parce qu'il faut attendre que tout l'ongle repousse. Donc là finalement vous avez une ligne de Bow au niveau de l'ongle qui a traduit un ralentissement dans la pousse de l'ongle quelques semaines auparavant. En termes d'étiologie, ce qu'il faut retenir surtout, c'est celles qui sont en rouge. Chez l'adulte, vous allez avoir le psoriasis, qui est très pourvoyeur d'érythrodermie. Et donc dans le psoriasis, vous allez avoir souvent un érythème qui va être rouge vif avec de larges desquamations. Pareil pour l'eczéma, où là, ça va être également très rouge vif avec des desquamations plus ou moins importantes et un état plus ou moins sec. Mais comme on arrive sur un état qui est chronique, on est quand même beaucoup plus sec qu'un eczéma aigu avec les vésicules. Là, on est quand même sur un état chronique qui s'est prolongé dans le temps, donc avec une sécheresse cutanée, avec un état beaucoup moins vésiculeux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être un eczéma atopique et également un eczéma de contact. Si le contact se prolonge avec l'allergène, par exemple une boucle de ceinture ou un jean ou une teinture capillaire, si l'eczéma se prolonge, il peut y avoir une généralisation secondaire. Donc l'eczéma de contact est aussi pourvoyeur d'érythrodermie.
Dans les toxidermies, on va avoir le Dress syndrome. Et donc là, j'insiste, seul le Dress syndrome répond à la définition de l'érythrodermie. C'est la seule toxidermie qui donne des érythrodermies. Puisque dans l'exanthème maculopapuleux, c'est résolutif rapidement. La pustulose aiguë exanthématique généralisée, on est sur une toxidermie qui est grave et qui ne peut pas, si vous voulez, évoluer pendant plus de 6 semaines sans retentissement très important pour le patient, et encore moins bien sûr pour les nécrolyses épidermiques toxiques, hein, pour le syndrome de l'aïeul ou le syndrome de Steven Johnson. Ça, ces patients ne peuvent pas rester comme ça avec des décollements cutanés pendant plus de 6 semaines sans être pris en charge, hein, et sans décéder. Donc on ne peut pas parler d'érythrodermie quand on parle de Steven Johnson, quand on parle de PEAG, tout simplement parce que ça ne peut pas évoluer pendant plus de 6 semaines sans prise en charge. Donc dans les toxidermies, seul le Dress syndrome répond à la définition de l'érythrodermie. Dans les lymphomes cutanés, on va retrouver le syndrome de Sézary, qui est un lymphome cutané T épidermotrope. Et donc, comme vous le voyez sur la photo, les Sézary, c'est des érythrodermies qui sont très violacées, très infiltrées, avec une desquamation qui est très fine. Et enfin, dans les étiologies qu'il faut absolument connaître, on a la gale croûteuse, aussi appelée gale norvégienne ou hyperkératosique. Donc là, vous aurez un contexte, hein, c'est pas le gars de 30 ans qui est en bonne santé, qui va travailler tous les matins, qui fait une gale croûteuse. Hein. La gale croûteuse, c'est quelqu'un qui est isolé, qui est dans des conditions de précarité sociale avancée. Voilà, on n'est pas sur l'être lambda, vous allez quand même avoir un contexte pour les gales croûteuses. On trouvera également en rambée le lichen plant. Donc le lichen plant, c'est une maladie dysimmunitaire de la peau qui peut aller un petit peu, si vous voulez, dans la famille de la pelade, dans la famille du vitiligo, dans la famille du lupus. Voilà, c'est un trouble dysimmunitaire qui peut éventuellement donner des érythrodermies. Alors ça, c'est de l'ordre de la spécialité, hein, je pense pas qu'on vous le demandera. Le VIH en lui-même ne donne pas forcément d'érythrodermie parce que c'est une éruption qui est aiguë, qui évolue rarement plus de 6 semaines. Mais par contre, il faut noter que le VIH va aggraver toutes les dermatoses sous-jacentes puisqu'il va empêcher l'immunité cutanée de lutter comme il faut contre les maladies de peau. Donc un VIH va forcément aggraver un psoriasis sous-jacent, un eczéma sous-jacent, un lymphome de Sézary sous-jacent. C'est pour ça qu'il est cité dans les causes d'érythrodermie, plus parce qu'il va être comorbide et que les dermatoses vont être aggravées avec un VIH. Et donc quand même, dans 10 à 15% des cas, nous ne retrouvons pas d'étiologie à l'érythrodermie. Chez les enfants de moins de 3 mois, on va avoir le liner moussus, hein, qui est l'infection généralisée à Malassezia fourfour, mais qui n'est pas sévère, et pour les enfants de plus de 3 mois, on va globalement trouver les mêmes étiologies que chez les adultes, donc il faudra surtout retenir le psoriasis, l'eczéma, la gale croûteuse si le contexte psychosocial s'y prête. C'est vrai qu'un Dress syndrome, c'est quand même rare, un lichen plant, un VIH aussi, et bon, les Sézary chez les enfants, retenez que ça n'existe pas. En termes de complications, la peau, si vous voulez, d'une personne érythrodermique, c'est une véritable passoire, hein, parce que y a une desquamation, parce que c'est un suinte, parce qu'il y a des œdèmes, parce qu'il y a une vasodilatation cutanée, et également parce que le rôle de régulation thermique de la peau est complètement pris à défaut. On va alterner les phases de fièvre et d'hypothermie. Donc tout ça, bien sûr, ça va faire perdre à travers la peau les protéines, l'eau, les ions, et ça va entraîner une déperdition hydroélectrolytique et protéique. Et bien sûr, ça peut venir décompenser une insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale sous-jacente. On va également avoir, ça pour toutes les pathologies qui nécessitent un alitement, les complications du décubitus, dénutrition, cachexie, escarre, maladie thromboembolique veineuse, hein, comme une phlébite, comme un psoriasis. Donc ces patients qui sont atteints d'érythrodermie, qui ne bougent pas beaucoup, il ne faut pas oublier de les anticoaguler. On va également avoir les complications infectieuses, donc soit locales avec une surinfection bactérienne responsable d'impétiginisation, donc ça va surtout être des surinfections à staph et à strepto. On peut également avoir des surinfections virales, notamment herpétiques, ça qui peuvent être potentiellement gravissimes, et sinon on peut avoir des surinfections générales avec des septicémies, des pneumonies et autres. Également, en fonction des étiologies et de la prise en charge, l'érythrodermie peut amener jusqu'à, dans 20% des cas, au décès. Comment est-ce qu'on prend en charge une érythrodermie? Le patient est hospitalisé en urgence. On fait toute une batterie étiologique pour savoir où en est le patient. Donc, on va faire des prélèvements
biologique pour avoir un bilan rénal, un bilan hépatique, une NFS, une albumine, voilà, pour savoir s'il est dénutri, pour savoir s'il y a une anémie associée, pour savoir s'il y a des troubles ioniques. On peut également faire des prélèvements locaux, par exemple bactériens, pour rechercher une surinfection. Également, on peut faire des prélèvements virologiques hein, pour chercher une surinfection herpétique à VZV ou à HSV. Et on peut également, bien sûr, faire des hémocultures, rechercher une infection générale. En fonction de la présentation clinique, si celle-ci n'est pas typique par exemple d'un psoriasis, si le patient n'est pas connu pour faire du psoriasis, on va faire des biopsies cutanées et on va notamment les répéter si jamais il y a une suspicion de lymphome cutané. Ensuite, on va donc traiter bien sûr de manière étiologique quand on saura de quoi est atteint le patient, et bien sûr symptomatique, on va rééquilibrer les troubles hydroélectrolytiques, réchauffer le patient, le renutrir, et dans les formes sévères, on peut lancer une corticothérapie locale à base de dermocorticoïdes d'activité très forte. Je vais juste terminer maintenant avec les cut-offs en dermato, pour que vous ne mélangiez pas les durées d'évolution. Donc l'érythrodermie et l'urticaire chronique, ça évolue depuis au moins 6 semaines, et l'ulcère de jambe est défini comme une plaie chronique évoluant depuis au moins 4 semaines. J'attire juste votre attention sur le fait que dans le collège de dermato, il y a une erreur sur le chapitre des érythrodermies dans le tableau récapitulatif du début. Ils disent que c'est une évolution depuis moins de 6 semaines. Évidemment, c'est une erreur, hein, c'est bien une évolution depuis 6 semaines ou plus. Ensuite, les cut-offs en ce qui concerne la surface corporelle atteinte. Donc l'érythrodermie, comme on l'a dit, c'est au moins 90% de la surface corporelle atteinte, alors que dans les nécrolyses épidermiques toxiques, on a le Stevens-Johnson qui se définit comme une atteinte de moins de 10% de la surface corporelle et le syndrome de Lyell qui se définit comme une atteinte d'au moins 30% de la surface corporelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour les révisions.